c'est un grand plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux déjà devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Trajectoire. Aujourd'hui, on a changé un peu de cap parce que notre artiste qui est donc Fiston Bouy, il est dans les coulisses en train de se préparer fortement justement pour la réussite de son concert à Chaubeuse. Bonjour, cher artiste Fiston Bouy. Bonjour, Yair. Comment allez-vous? Merci, je vais très bien, merci. Parlons de la trajectoire de ton concert, parce que ce concert, je sens que vous êtes vraiment confiné encore pas pour le coronavirus, mais confiné pour la préparation, la grande préparation. Exactement. En fait, l'inspiration est venue d'où? Déjà, je salue tous ceux qui me regardent. Très bien. Répondant du frère Fiston Bouy. Alors, l'inspiration est venue du fait que nous avons réalisé un album. Nous avons réalisé un album qui s'appelle Amour unique. Cet album a été réalisé en 2019 et lancé depuis 5 ans après, lancé en 2019. Et aujourd'hui, ça fera une année depuis que l'album est out. Et après, le Seigneur nous a fait grâce. Il y a annoncé l'album, 2-3 clips. Malheureusement, coronavirus et Egoya. Alors, c'est ce qui a fait qu'après, nous n'avons vraiment pas eu le temps de très très bien exposer certaines chansons de l'album. Mais après, Dieu nous a fait grâce par la chanson Surpris qui est en train de humblement faire son temps. Et ça fait que, après, nous sommes décidés de faire un concert, organiser un tout premier concert dans le cadre du lancement de notre album qui est Amour unique. Voilà, et ce concert aura lieu le 29 novembre de cette année. Très intéressant, mais parlons quand même de cette préparation, oui. La préparation de votre concert. On sent que vous êtes vraiment confiné, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. La préparation, est-ce que c'est votre premier concert depuis que nous sommes passés du déconfinement Covid-19? Exactement, pour plusieurs d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent dire le contraire, parce qu'en ce moment, le confinement a fait que les artistes soient vraiment en arrière-plan, et tout le monde, dans tous les domaines que l'on puisse être sur le banc de touche, tous ensemble, et pour combattre, et pour laisser un peu la place aux médecins et tout ça, question de combattre le coronavirus. Et maintenant que les choses dans notre pays, précisément, sont en train de repartir sur les bons rails, et là maintenant, nous avons décidé de lancer ces événements, et voilà pourquoi nous avons décidé de faire cet événement qui sera grandiose. Comprenez que l'artiste, vous sentez qu'il est, il transpire justement parce qu'il vient de finir sa préparation ici dans ce studio Ndiaye. Chérie, quoi, ça quoi, y'a, hé, hé.
Déjà, je voudrais signaler que je ne le produis pas moi. Okay. Je serai certes l'artiste qui va prester, mais le producteur ou encore les personnes qui organisent ce concert, c'est bel et bien Majabu Gospel. C'est une plateforme de musique dans notre pays, une nouvelle plateforme de musique dans notre pays. Alors, ça fera que c'est cette plateforme qui a finalement décidé de nous donner, nous faire confiance avec le Totem Rana Lango et Lango pour organiser ce concert. Donc, il y a d'abord Majabu. Après, il y a mes amis, les amis avec qui je travaille, mon groupe, et ils sont pour beaucoup. Et j'aime toujours être reconnaissant par rapport à ce qu'ils font et on est déjà une famille, on avance ensemble. Super. Leur contribution est énorme. Après, je profite pour inviter toutes les personnes qui voudraient aussi, d'une manière ou d'une autre, contribuer à cette œuvre. Le concert est le 29 novembre, mais si avant vous pensez que vous pouvez nous aider à passer plus de messages, encore... à un peu élargir les ondes, champs, voilà, les champs pour lancer le message. Vous pouvez nous aider d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Vous pouvez dire, bon, on a préféré dans ça là-bas, affiche. Okay. Là, bino, mais j'ai aimé les affiches qui sont exposées dans les places publiques. C'est super merci, beau. Merci beaucoup. Et ça, c'est grâce à Majabu. Okay. Que je remercie beaucoup. Et voilà, donc, s'il y a quelqu'un qui pense que Nzamba Toutien a m'a contribué à mon Mouké, on est ouvert. Mais vraiment, je crois que c'est l'œuvre du Christ, parce que Dieu a dit, son boulot, c'est en fait un champ vaste. Il y a des gens qui sont là justement pour faire la libération, c'est qu'on dit. Donc du coup, c'est un enfant des dieux. Je vous invite à aider ces frères qui est notre frère de la République démocratique du Congo. Vous qui aurez cette possibilité de nous suivre à l'étranger, sachez que c'est une contribution énorme et ça paye beaucoup. Alors je reviens à vous. Justement, parlez-nous en fait de ce temps qui va prendre. De l'inspiration à la réalisation du 29. Ça peut prendre combien de temps déjà? L'inspiration de l'album du concert, ou du concert. Voilà. L'inspiration du concert jusqu'à la réalisation du concert, bon, c'est quelque chose qui va nous prendre 4 à 5 mois, je pense. C'est vrai. Oui, parce que nous avons vraiment eu l'idée de faire le concert il y a de cela 5 mois. Et aujourd'hui, nous réalisons ce concert. Donc, de l'idée à la réalisation, je crois que c'est 5 mois. Est-ce qu'on peut comprendre le thème du concert et l'objectif de ce concert aussi? Oui, le thème du concert, c'est concert surpris. Okay. Vous comprenez qu'il y a une chanson dans l'album qui s'intitule... Tout à fait. Voilà, c'est une chanson que j'adore beaucoup. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Merci. Et qui fait que, voilà, ça nous oblige un tout petit peu à exposer encore plus ce titre, cette chanson, parce que ça cadre avec nos vies, ça cadre avec ces événements que nous avons vécus cette année 2020, qui a été une année très, très difficile, mais fait. Le Seigneur nous a permis de vivre par sa grâce. Amen. Voilà, donc le Seigneur nous a juste fait grâce. Tout à fait. Il nous a juste aimé par son amour. Il a dit, bon, binoté. Et toi qui es encore en vie,
je peux te donner toutes les raisons, toutes les bonnes raisons pour que tu viennes. La première raison, c'est le souffle de vie que tu as. Yes. Viens, parce que le Seigneur nous a surpris agréablement cette année. Tout parce que à fait. On s'attendait à ce que cette pandémie nous terrassine, tous, en fait. Voilà, nous déracine, ouais. Nous terrasse. Et, vraiment, on s'attendait moi, au pire. Moi, j'ai dit amen. Voilà. Je crois que les téléspectateurs l'ont fait également. Yes, yes. Donc, mais le Seigneur nous a fait grâce et fait. A permis à ce que nous puissions être là, en vie et en bonne santé. Venons dire, tu nous as surpris agréablement. Chanter, danser, transpirer pour la gloire du Seigneur. Très ça intéressant. Alors, je reçois pour vous, Fiston Bouy, l'artiste musicien congolais qui chante pour la gloire de l'Éternel. Mais sinon, on est venu, Trajectoire est venu rendre visite à cet artiste qui, dans les coulisses, se prépare énormément, chaleureusement. Je vous laisse vivre le live. Je ne vais pas faire de commentaires. À tout à l'heure. Eh bien, voilà, nous sommes de retour avec l'artiste. Je vois combien vous transpirez. Yeah, c'est normal. Après ce que nous venons de faire, là, c'est logique. Oh, d'accord. Et vous prenez du temps, vous ne mangez pas avant de faire les répétitions? Non, généralement, ce n'est pas une bonne idée. Hein. Ce n'est pas une bonne idée de manger avant la répétition. C'est il vrai? Il faut manger après la répétition. Mais si vous êtes plein, vous ne dégagez pas tout ce que vous avez, vous ne donnez pas. Moutoua Nzalande Azara motivé. Ah, d'accord. Moutoua Tondia Koumana Posaola. Ah, d'accord. Voilà, il n'y a pas de souci avec ton orchestre ou ton non, il n'y a pas de souci. Par rapport à l'heure de répétition, l'heure de rencontre. Non, il n'y a pas de souci. On essaie de vraiment mettre un peu plus de discipline. C'est vrai qu'il y a toujours des petits couacs, mais par rapport aux circonstances, Bamboula et tout ça, mais on est vraiment dans un. Voilà, on est sur la ligne et on essaie de faire ce que l'on peut. Ce qui m'a beaucoup plu, chers téléspectateurs, chers abonnés, j'ai vu combien ils ont commencé les coulisses en train de prier. Et la finalité, on a également prié. Vous continuez à garder la ligne. Hein? Exactement. Vous savez, nous sommes avant tout serviteurs de Dieu. Très bien. On n'est pas d'abord danseur, on n'est pas d'abord chanteur, on n'est pas d'abord qui que ce soit. On est d'abord serviteur. Et lorsque vous êtes serviteur, vous devez garder cette mentalité, vous devez garder cette vision en vous que vous êtes d'abord serviteur. Et celui que nous sommes fait en sorte que nous puissions associer, ceux-là que nous sommes fait en sorte que nous puissions associer le Seigneur à chaque fois, parce que Yenem Kolo Moussala. Tout à vous fait. Savez, voilà. Donc à chaque fois que nous devons prier et travailler, nous avons d'abord besoin d'associer Dieu dans tout ce que nous faisons, parce que à toute façon, c'est lui le maître auteur, compositeur et tout. Tout ce que nous faisons. Ce que j'aime en vous, c'est l'humilité. Merci. Mais sinon, on peut savoir déjà, est-ce que vous êtes coffré quelque part au maquis, en dehors de ces programmes de répétition au tout début que vous avez de notre, avec le groupe? Oui, au tout début de notre programme, je crois que nous l'avons fait. Non, vous semaine. Personnellement. Ah, personnellement, moi, oui. D'abord, on a commencé par l'être ensemble. On a été mis quelque part en retrait pour essayer de travailler d'abord, pour essayer de travailler les chansons. Après, maintenant, on essaie de bien fignoler les chansons. C'est après qu'on ira encore peut-être en retraite pendant 2-3 jours et pour finalement ressortir. Mais personnellement, très bien. Je suis dans la même direction. En ce moment, moi, je considère que je suis dans un Nicolas Ngombana Makitite. Ah. Je descendrai le jour d'après le concert. Très bien. C'est la question qu'un téléspectateur est en train de me souffler. Il dit, mais... attendez, essaie un peu de poser la question à Fiston Bouy. Est-ce qu'il est en train de jeûner? Comment il fait pour jouer son concert? Ouais, vous savez, c'est parmi les obligations lorsque vous êtes enfant de Dieu. La Bible dit, la Bible le recommande d'ailleurs, de jeûner, de prier pour plusieurs raisons. Très bien. Et moi, je crois que c'est tout à fait normal. Nous sommes habitués à cette vie. Mais toujours ça, nous le faisons de manière à ce que ça ne puisse pas gêner aussi notre performance physique et tout ça. Mais on est sur la ligne. Quel est le verset qui va vous accompagner ce jour-là? Moi, je dis que le verset, le plus grand verset qui m'a toujours accompagné toute ma vie, c'est Jean 3,16. On n'a rien mérité. Wow, Dieu a tant aimé les mondes, voilà. Il a donné son fils seul, voilà, unique, voilà. Enfin que quiconque croit. Alors, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, vous retournez à votre album, Premier voilà. Amour. Voilà, voilà, oh là là. Amour unique. Parce que le Seigneur nous a fait du bien. J'aime beaucoup ce verset parce que seul ce verset nous démontre la détermination de Dieu à nous faire du bien. Et je vis avec ça tous les jours. La Bible dit qu'il nous a tant aimés, il a donné. Il n'a pas donné avant de nous aimer. Il nous a d'abord aimés tout et à fait. Il a donné sans son intérêt. Fils. Voilà.
il a donné son fils unique. C'est-à-dire tout à fait. Tout ce qu'il avait de son précieux. Amour premier. Voilà. Voilà. Tout ce qu'il avait de précieux, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il ne suffit que de croire en lui pour avoir la vie éternelle. C'est très facile à faire. À toi qui me regardes et qui n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, le Seigneur et sauveur, il y a une seule chose à faire, recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur. Va dans une église à côté de chez toi, reçois le Seigneur. Yeah.
C'est comme je le disais, après, il y a pas mal de programmes au mois de décembre. Déjà parce que le 19 décembre, nous serons à Lubumbashi, si Dieu le permet. Après, je vais représenter l'œuvre des dieux en Ouganda, où je suis sélectionné pour un award. Félicitations. Merci beaucoup pour l'artiste, le meilleur artiste centrafricain de 2020, ou encore la chanson de l'année, surpris. Super. Et je crois que je vais aller, tout en priant, et puis revenir pour honorer mon pays aussi en même temps, et parce que je tiens vraiment à fêter mon anniversaire le 27 décembre ici à commencer avec eux chaque année, et encore de cette année, l'année prochaine, je veux dire, nous allons faire quelque chose de grand encore, et tout le monde sera au courant. Nous allons vous accompagner dans cet angle de orphelin, justement parce que c'est très important. En même temps, vous faites votre devoir d'aider les orphelins, en même temps vous prêchez à d'autres personnes de continuer à faire le bien, car c'est le Seigneur qui vous restituera. Alors on finit avec vous, merci d'être le nôtre. Merci à vous. Merci. Mais il y avait une question qui m'a échappé, combien de trophées déjà, avant ce que vous allez prendre bientôt au mois de décembre? En fait, j'ai été récompensé à, jusque là à deux reprises, mais c'est pas c'est pas un groupe de gens. Voilà. Tout premier pour moi, le plus grand, le premier pour moi sera bien sûr ce. FM Télévision, en même temps à la RTNC2. Je vous aime énormément. Chers artistes, merci bon vent. Que merci. Le Tout-Puissant vous accompagne, qui vous donne tout ce qu'il faut, tous les instruments possibles pour qu'il y ait la réussite. Et on sera là, on va danser pour la gloire du Très-Haut. Nous vous invitons également. Merci. Fidèles téléspectateurs, c'en est fini avec cette émission Trajectoire. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. Franchement, c'est particulier. Merci beaucoup. Et nous vous disons au revoir. La prochaine fois, ça sera votre tour. Au revoir.